serait comme ça, réparti en deux flottes. Et coup de bol encore pour l'adversaire. Ah, ils ont des flottes d'appui et des flottes sillon. Donc deux protecteurs pour le coup. Et nous, on est principalement attaquants. Ah, il a battu en retraite. Est-ce qu'on peut voir de quel côté il a battu en retraite? Est-ce qu'il n'est pas sur ce secteur-là? Ah, où est-ce qu'il a battu en retraite? Parce qu'on les a pas détruits, donc... Ah, ils sont là. Est-ce que je pourrais être assez rapide pour les intercepter sur B10? Je ne sais pas. Et de ce côté-ci, on va pouvoir coloniser. Alors, on a une moyenne et une petite. On va commencer par la moyenne de glace, même si c'est pas le meilleur système à coloniser. On a le repère pirate délabré. Ça peut être très bien. Joli, joli geyser d'ailleurs. Et on peut mettre de l'argent dans l'avant-poste pour qu'il aille un peu plus vite. On peut mettre quelques fanfares également pour gagner un peu de temps. Et on va étudier les maximums les planètes. Alors. Pas du tout, on va voir où est-ce qu'ils se rendent. On aura des traités de diplomatie notamment, des actions d'élection au Sénat. Et on peut coloniser les planètes toxiques maintenant. On a le tracker de rêve qui nous permet... Bonus de déplacement, parfait. Nous avons les vestiges aussi qui augmentent la population. D'ailleurs, on est où en termes de population? Les vestiges donnent quoi? Ce sont des industrialistes principalement. Eux sont plutôt religieux. Les Ishos sont militaristes. On a quelques Amblyrs qui... qui viennent vivoter au milieu de tout ça. D'accord, les ressources de luxe augmentent. Pas notre camarade de jeu. C'est un peu gênant, mais soit. Et là, est-ce qu'on peut étudier lunettes alvéolées déverrouillées. Qu'est-ce que ça permet, ça? Oh, c'est sympa. Et là, il nous faudrait une puissance d'expédition de niveau 4. Est-ce qu'on a la possibilité d'augmenter nos vaisseaux de patrouille en les montant niveau 4? Ça, c'est du niveau 2. Ça, c'est du niveau 3. Je n'ai pas le niveau 4. Ça permet quoi? Module de soutien avec des escadrilles.
Ça, ce sont des lasers, et là on est sur du module de type d'arme. D'accord, laser, les de base. Laser synchronisé de base et laser pirate. Laser pirate font 29 dégâts pour 15 d'énergie. Précision des armes à énergie, pénalité adverse. D'accord. Ça a l'air d'être pas mal ça. Projectile au cartouche impériale. Module, ça c'est du cinétique. Et ça serait quoi? Type d'arme projectile. Je serai toi, je vendrai un stock de sanguine, je crois. Tu en as tellement qu'il sert pas. Oui, il faut que j'en vende, ouais. Il faut que j'en vende, en effet. J'en ai beaucoup trop. Ça, c'est du faisceau. Ça, c'est du laser. Ça, c'est du cinétique. Ça, c'est du missile. Et ça, par contre, je ne sais pas. C'est un module de base, en fait. Donc, c'est pas intéressant d'avoir ça. Et des lasers synchro. Pourrait être beaucoup plus puissant avec ça en main, non? Ça a l'air d'être violent, ça. Rebouclier antimatière, c'est pas mal ça. Recharge de bouclier à chaque phase, ouais non, là on n'est pas trop mal. Pour les colons, on n'a pas besoin d'aller plus loin. La corvette, on va la modifier, la corvette par contre. Mais ça c'est comment? C'est ma corvette ça? Ah d'accord, il y a plein de choses qui ont sauté sur ma corvette. Est-ce qu'on n'avait pas meilleur module d'armes avec chance de coup critique plus importante? Elles sont plus rapides ou pas? Non, les lasers pirates sont pas si bien que ça. Par contre, je pense que varier un petit peu les modules en prenant des missiles et de... Enfin, il y a du cinétique. Cartouche impériale, j'aime beaucoup. Là, on va devenir violent quand même. Des modules de défense. Ça demande du titanium par contre. Et là, module de soutien, esquive de vaisseau. Point de vie, probabilité d'esquive plus 10%. Et ça coûterait de l'adamantium par contre. Genre ceci, plus d'esquive pour prendre moins de dégâts. Et avec plus de points de vie, ça fait un peu plus des tanks. Pour mon escorte, là on est vraiment sur du pur soutien. Donc pas besoin forcément d'attaque non plus fabuleuse. Mais en soutien... Accélérateur de flotte ici, accélérateur de champ de flotte H, point de déplacement plus 1, point de déplacement plus 2, bah ça c'est très bien. Et en défense, plus de bouclier pour bien accélérer la flotte. Et pour notre assaut terrestre, est-ce qu'on a mieux? Ça fait quoi?
Augmentation de la destruction de l'équipage de la flottille. Non. Main-d'œuvre supplémentaire, là on est déjà pas mal, hein. Et on créera peut-être d'autres flottes. Tu auras bientôt de nouveaux modèles. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais déjà, si je peux tenir à jour les modèles que j'ai actuellement, ce serait pas mal, je pense. De tenir un petit peu tout ça. Et tu m'avais dit vendre des ressources. Notamment des ressources de luxe, notamment voilà ceci. Peut choisir la valeur. Si j'en vends une centaine, ça me donnerait quoi? 1,9K. Ça sert à rien de trop en vendre, je pense, parce que sinon je vais faire tomber les prix à des trucs démentiels, ce qui serait dommage. J'ai des ressources stratégiques, ça on va les garder parce que j'ai besoin de production. Par exemple, je ne produis pas de Cadrinix, mais je produis bien tous les autres. Enfin, je produis pas non plus de Orichalcix, pardon. Là, ça s'est verrouillé pour le moment. Ok. Ah, 500! Ah oui, c'est vrai que on pourrait carrément vendre 500, oui. C'est vrai. Parce que j'en ai tellement que... Ça fait tomber un peu le marché, mais c'est pas très... c'est pas le plus grave, on va dire. Regarde un peu les productions et ce qui se fait. Par contre, il va falloir qu'on s'occupe des pirates. Et je voulais coloniser Mintaka. Ça va être compliqué, quoi. Par contre, Naos, il va falloir qu'on aille le coloniser, hein, clairement. Donc, si on peut aller coloniser Naos avant de devoir construire le truc sur Pictor, on serait peut-être pas mal. Et j'ai pas trouvé mes pirates, moi. Non, ils sont là, ils sont là. Dommage, sinon j'aurais pu les bloquer. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, souvenir d'eux, on s'en moque. Et le prochain scrutin, on aurait des matérialistes, enfin de bons producteurs sous peu. Et là, qu'est-ce que... Compagnie commerciale ici, ok. Est-ce qu'on a tout étudié ici? Ouais, on n'a pas les modules suffisamment grands pour l'instant, donc on va passer notre tour. Merci à toi d'être passé, Tips. À plus tard. Ah, rater ce vaisseau, ça c'est gênant quand même. Ils sont joueurs. Et on va jouer avec eux pour le coup. Matarka, qu'est-ce qu'elle produit? L'amélioration en nourriture, ce serait parfait. Et là, on pourrait par contre produire du technologie absorption gamma. Voilà ça. Absorption gamma. On va la lancer. Voilà, comme ça on l'aura. Et on pourra produire cette ressource.
Nouvel événement, récolte providentielle. Vous avez lu tous les rapports et on dirait que la génération de ressources de luxe dans tout votre système dépasse les attentes cette année. Vous imaginez déjà la réaction de vos conseillers. Les industrialistes préféreront doper discrètement l'économie de l'Empire avec ses denrées supplémentaires, tandis que le contingent... oui, on remercie les dieux... Que dalle. On n'est pas religieux. Et on a perdu notre avant-poste sur Taurus. Salaud! Puisque c'est comme ça, on va refabriquer des colons. Et on saura se venger. Bon, par contre, on va étudier le système ici. On a tout fait ici, d'accord. Je vais être colère pour le coup. Alors, combat de nourriture, la quête inconnue. Bon, quelqu'un l'a fait avant nous. Toujours, toujours, ma bonne dame. Vous êtes satisfait, mais pas trop surpris de découvrir qu'une de vos colonies a développé une religion minoritaire autour de vous. Elle est petite mais fervente. L'un de ses chefs les plus charismatiques a demandé publiquement que vous pourriez leur faire honneur d'assister à l'inauguration de la dernière cathédrale. Sur Aizé. Oui, allons-y. M'honorer, franchement, ça ne peut être que bien. Est-ce que je pourrais pas lancer... Non, faut que j'aille sur Taurus pour voir ce qu'il y a, mais le problème c'est que sans... Ils ont bien joué à détruire ma planète, là, ils me posent un problème important. Parce que j'ai mis des ressources dedans qui ne me servent pas, donc c'est un peu embêtant. Ah, l'académie est découverte dans le système de Nice. D'accord, donc c'est ici que se trouve l'académie, proche du centre de la galaxie. Parfait. Attaquez-moi tout ça. Rasez-moi tout ça d'ailleurs. Alors on va passer vite hein, l'action parce que de toute façon il va y avoir peu de chances qu'ils s'en sortent bien. Ils nous mettent quand même du dégât. Hein, je crois que j'ai un vaisseau qui a explosé un escorteur. Mon escorteur n'est pas assez résistant malheureusement. Il va falloir fabriquer des escorteurs. Il est tendu ça je prends. Et modernisation de niveau 3, je prends aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques escorteurs aussi? Et je vais en faire également sur sur Matarka, qui a une grosse capacité de production. Escorteur. Et on va laisser ces vaisseaux sur Taurus à faire la protection.
normalement, je devrais avoir ici un vaisseau colon. Oh, du moisi bleu qui rejoint nos ressources de luxe. D'ici 20 tours, débarrasser la galaxie des 9 flottes Vodiani Vengeresse. On en a détruit 3 sur 9 déjà. L'académie et les héros qui affinent leurs compétences peuvent inverser le cours des batailles et enrichir ces systèmes entiers. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que toutes les civilisations de la galaxie désirent en secret comprendre et contrôler cette puissante institution. Mais pour d'autres peuples, l'académie est une insulte et une abomination. Les plus virulents sont les conservateurs du peuple des Vodiani. Car l'on raconte que le dirigeant de l'académie aurait eu avec eux un différend religieux. On les détruira. Ce sera détruit conformément à la volonté de l'Empire. Bon, on va aller de ce côté-ci vérifier ce qu'il y a sur Taurus. Les scientifiques tiennent bien quand même, hein. Bon, passons. Et les militaristes sont montés au pouvoir, ce qui a évincé les religieux. Et on aurait la loi travaillée qui augmenterait la production. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait certaines lois qui ne seraient pas si intéressantes que ça? On peut regarder ça. Loi radinerie nous permet de générer des ressources. La règle de la nouvelle colonie augmente les avant-postes. Et la pluie de brume. 10% de l'industrie conservée pour une amélioration de système. Ouais. Ah. Je l'aime bien celui-ci. Plus de planètes et de production, produit. Allez. Université de Denark. Normalement, elle nous donne plus de choses intéressantes hein, de mémoire, l'université. Portée de vision. Ah, d'accord, c'est vraiment pour de l'observation. C'est bien ça. On va quand même améliorer ce système. Je comptais pas le faire, mais je pense que améliorer un peu tous les systèmes, les passer au moins niveau 2, on verra pour le niveau 3 par la suite, mais parce que c'est un peu aussi en fonction de nos ressources quand même. Sur aisé, ça pourrait être pas mal. Et là, on pourra faire un bureau de validation commerciale, une merveille. % de valeur commerciale du système planétaire. Ça sera à mettre sur ma Tarka, ça. De mémoire, mon système qui me fournit le plus d'argent, c'est ma Tarka.
Et si je fais le bureau ici, normalement, je devrais fournir pas mal de ressources. Et là, j'aurai des ruines à étudier. Il va falloir que je refasse le tour. Alors, est-ce qu'on peut mettre en automatique le fait que nos... que eux recherchent en fait les éléments? Amiantoïde du butin, d'accord. Et production de science, parfait. Venez ici maintenant, on va faire un peu le tour des planètes. Là, normalement, on devrait pouvoir protéger le système. Et là, nous avons nos corvettes qui ont une puissance d'attaque importante. Pour essayer d'aller embêter les vos Diani. Pour avoir plusieurs compagnies, semble-t-il. Céphalorose qui augmente. Augmentation générale des ressources de luxe. Parfait. Tout le monde veut en acheter. Grand bien nous fasse. Bon, on va lancer. Que les assauts terrestres, on pourrait les ramener vers Taurus le temps que. Tout se passe bien. Bon, le combat de nourriture, ça ne m'intéresse pas, clairement. Donc on va passer le tour. Produire plus de nourriture avant moi, ça me dérange pas. Des Ishos viennent de monter et des Amblir aussi. On vient de faire un escorteur, colonisation du désert, modernisation sur plusieurs systèmes. Et on n'aura pas beaucoup d'escorteurs pour attaquer Naos. Bon, allez, on a des choses à étudier par ici. Notamment sur Kuma 2. Et 5 cités perdues, artefacts du butin. C'est sympa ça. Donc on a de la production supplémentaire de ressources dès qu'on aura colonisé la planète. Et on va aller faire un tour sur Imex. Peut-être même sur Placidus, non, il n'y a qu'une seule planète, malheureusement. Mais Mintaka, par contre, ça serait vraiment, vraiment intéressant. Et là, est-ce qu'on sait dans le nombre de tours? Non, juste on sait qu'il y a un avant-poste. Et que là, c'est défendu. Donc, ce territoire-là, 31 000 points de vie, 2200 d'attaque, et nous sommes à... Oh là. Et toi combien? Que 1400? Ouais non, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. On va repartir et on va essayer de se forger une flotte plus puissante, parce que sinon on va se faire démonter. La Tarche a l'air défendue. Quête coopérative commencée, de la brume à la poussière, mais plus. D'accord, les empires les plus pacifiques parlent d'un accord commercial galactique, un arrangement astucieux par lesquels tous les participants seraient avantagés. Mais l'infrastructure économique de la galaxie n'est pas encore au niveau nécessaire pour un tel projet. Collaborer avec les autres pour améliorer, augmenter la quantité de brume générée dans la galaxie, augmenter la quantité de brume totale produite par la tour,
À 4273. Pour l'instant, on est à 2135. Le premier gagnerait de l'influence, gagnerait également du Gigalakis et de l'influence. Très bien.